bien retapé. Ça a mieux parce qu'il y a la victoire. C'est toujours plus facile de récupérer quand la tête va. Et voilà, il y a quelques petits bobos encore, mais tout ça, on en va. Et basculer rapidement dans ce match ou fortement euphorie? Non, il n'y a pas d'euphorie, pas du tout. On bascule progressivement et c'est sûr qu'après, après l'annonce de ce matin de la compo, voilà, on y rentre plein fer dedans. Avec une équipe qui reste exactement la même, c'est un signe de satisfaction de ce qui s'est passé face à la nouvelle. Comment on pourrait pas c'est les sélectionneurs, il faut leur poser la question pourquoi ils ont choisi de reconduire l'équipe. Moi, je l'ai toujours dit, je suis soldat et je reste à ma place. Je vais pas m'amuser à commenter, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas mon rôle. À chaque match, la vérité, mais qu'est-ce que. Je ne peux pas me déblonner, c'est pour ça. À chaque match, la vérité, donc, mais dans ces éternels retrouvailles avec les Anglais, quel est le match référent? Plutôt celui du tournoi ou les deux du mois d'août? Ils sont complètement. Les matchs sont à chaque fois différents, vous savez. Mais là, c'est un match éliminatoire. Donc il sera différent. Il ne faut surtout pas s'appuyer sur les matchs du mois d'août. Regarder, en tirer les enseignements, mais eux, comme nous, on a eu des galères dans cette Coupe du Monde. Ils se sont, malheureusement pour nous, je crois qu'ils se sont retrouvés. Ils ont réussi à enclencher une série de victoires, ils ont réussi à avoir de la sérénité. Et nous, c'est un peu pareil. Donc on ne va pas être le même adversaire qu'en août et eux. Donc, ils ont la différence. T'es un peu surpris de les voir là, par rapport à ce que tu avais vu au mois d'août? Non. Non, après, voilà, ils ont joué leur bateau sur un match comme nous. En finissant seconde de poule, on savait eux comme nous, qu'on allait avoir un très bon match. Nous, on galopait après un exploit. Ils ont bien géré leur match, je pense. Et on a la chance de jouer une demi-finale. C'est une histoire.